Putain, cette map, quoi. Ah oui, c'est la mastodonte. Tiens, c'est rigolo, elle fait 800 quêtes de radius là par contre. Elle a grossi. Je faisais pas 804 tout à l'heure? Il semblait qu'elle faisait 800 piles, non? Je confonds Tu peut-être sais avec une autre marque. aucune idée. Putain, ça va être relou. Non, comme tu dis. Je sais pas pourquoi ils s'obsèdent avec des maps aussi larges, quoi. Putain, ils jouent tous les deux les Yuuzhan, quoi. Je sais pas si on n'aurait pas meilleur temps de jouer tous les deux les Yuuzhan aussi. Hein. Ouais, mais t'es sûr que pour le naval c'est une bonne idée? Ouais, bah ouais, c'est les mêmes unités quasiment. Le truc c'est que je les connais pas trop, moi, les units, mais bon. Bah au pire, je m'occuperai du naval. Parce que là, le truc, c'est que sinon, tu vas prendre du max qui nous fera moins de métal et on aura moins de métal que quoi. Ouais, non, mais c'est C'est sûr. ça le problème. Je comprends bien. Puis même leurs unités T2 et tout, après c'est plus OP quoi. Puis là il n'y aura pas de fighter lane. Donc... Mais derrière les unités 1 de Légion, je les trouve plus OP que. Ah, que celle de Vanilla. pensais pas qu'on pouvait faire mieux que le leveler, mais si. C'était possible. Y a une sorte de leveler T1 en plus, quoi. C'est abusé. Bon, Leur sorte d'inferno là, à partir du moment. Faut pas s'approcher, certes, mais. Oh, putain, quoi. Là, tu te fais vaporiser, quoi. c'est pareil, l'artillerie aussi, tiens, je trouve ça bien fort quoi. C'est clair. Bon, c'est censé remplacer les grenadiers, sauf que bon. Comparé aux grenadiers, comment dire? C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de. Après, sinon, on est cheese hardcore, hein. On prend tous les deux vanilla, on fait du lob et. La map elle est trop grande pour faire ça, quoi. Full lab, full locust. J'avoue, Locust, ça aurait pu être pas mal quand même. Bon. Comme tu le sens. C'est vrai que les bonus de métal et légion est fort appréciable. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça fait. Enfin, Ouais, c'est je vrai que ça comprends. c'est bizarre. Après, Ça fait leurs pas unités trop coûtent plus sens. cher, je pense que c'est un truc comme ça. Ouais, mais bon, Juste. sincèrement, j'ai Mais du ouais. mal à comprendre que. Oui, ok, leurs units coûtent plus cher, mais pourquoi t'aurais fait les units au même prix Ah, et c'est vrai les que c'est grandes un métaux au même niveau? Parce que du coup. Tu vois. C'est vrai que c'est Je un suis peu bizarre. perplexe. Je pense qu'il faudrait essayer d'aller turtle, genre là et là, ou à coup de torpedo pour les empêcher d'avancer. Ah, attends, je suis en train de Tout en charger. partant full air. Turtle, torpedo là et là. Au cas. Je sais pas trop comment on la joue quoi. Je pense que early T2 bot ça peut être pas mal. Ouais. Enfin. Écoute, je sais pas. Moi, je serais plutôt chaud pour manager le land et les petites flags qui sont genre là, là. Etc. Ouais. Genre gérer les trois Ok. chemins et toi, je te laisse gérer le reste, naval, L'heure air et est naval. compagnie. Ouais. Si tu te changes chaud pour ça. Bah vas-y, hein, c'est parti mon cocoï, j'ai envie de te lire. Du coup, on spawn au milieu ou on se Ouais, sépare? on spawn middle, on essaie de faire une T2 relativement early et. Ok, dans quel coin? Moi j'ai spawn là. J'ai un peu oublié le H, le F, mais c'est pas grave. On reste un tank. Ah, me dis pas que j'ai encore baisé le point de métal. Putain, mais what the fuck. Nice. Suis-je si bad? Peut le faire là. Oui.
pourras lancer le reclaim sur mon fab quand il sortira. C'est le reclaim, yes. Parce que je vais aller scout. Yep. Savais que putain, préscience. PGM move. C'est long à produire l'énergie, bordel. Je suis un débile. Ils sont déjà dans l'eau. Putain. Fuck. Non. Fuck. Ça passe là, putain. Il y a un pack ici. Non, mais pas. Thank you.
putain l'énergie. What the fuck, il peut. Putain, comment ça se fait qu'on ait perdu autant? T2, peut-être. Un bordel. Passage en T2 de qualité. T'inquiète. Il y a pas mal d'air. Hein. Un peu trop d'air même, je dirais. Putain, c'est en masse. Mais depuis quand ces trucs ça va sous l'eau? C'est du terrain, bordel. Oh là là, shit. De bateau. Déjà. Faire remarquer qu'on a 12 000 de game. Il y a pas mal de terrasses qui arrivent en front. Hein. Dehors aussi. Putain. Faut qu'on expande plus là. Ah ouais, bah. Le truc c'est que. What?
pas mal quand même. Alors, on se fait reboot. Genre assez hardcore là. On se fait reboot de partout. La flotte on l'a perdu, l'air on l'a perdu. Ah, c'est l'étouffement. On est étouffé au niveau de l'écho là. Du kaiju sur la tronche dans notre pack. Ça va être vite compliqué là. L'énergie T2 qui explose dans des énormes explosions, ça c'est un peu ridicule quand même. Mais ça tire en l'air aussi cette merde, mais t'es pas sérieux! Ça touche les avions? Ouais, ça a touché les avions en tout cas. Je sais pas comment, mais. Je vais pas réussir à passer. Un truc qui fait du bon à tir sur Légion. Bah les bots quoi, ou alors la T2 tank. Y'a la T2 bateau qui est fini ici. Nice. Fais de la T2 tank chez toi, enfin faut faire plus de T2. Ok. Shit. On a récupéré l'air. Putain, je suis con. Non, me dis pas que la T2 entière sur le land, c'est du T2 bot. C'est du T2 bot, si. Putain. Ah, les réflexes sont la vie dure.
Ouais, mais c'est bon, là on a repris le contrôle aérien donc. Ouais. Total, ça je vais faire construire ce qu'on a perdu. Ah bordel, il faut le sous-marin qui arrive. Nous envoie de la tête, on continue par derrière, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah bordel! T'arrives pas à push par le land là? Non, en fait, je me fais à chaque fois défoncer par leur aviation. J'ai réussi à faire quelques dégâts, mais c'était pas glorieux quoi. Putain, je vais me faire défoncer par ces. Saloperie. Ouais, on se fait vraiment péter dans le coin, putain. Putain. On s'est repété notre télé. Notre télébot. Un bateau. Yes. Non mais pourquoi c'est pas venu ça? Ils ont pris le contrôleur, ça nous a trop baisé quoi. Mais bon, je pensais pas que les pushlands se feraient reboot autant aussi quoi. Ouais. Hier ça nous a défoncé. Si on avait eu plus d'entièreté, ça serait passé comme ça. Bon, faut pas juger, je pense. Il est où leur dernier com? Ils en ont plus qu'un. Bah, tu as tué, hein? L'autre. Je n'ai pas tué d'autres. Si, si, il y en a un qui est mort, hein. What the fuck? Un qui est mort dans leur base, t'as l'air.
je m'apprends quelque chose. Merde là. Donc peut-être réclame tout d'aff. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il en reste qu'un seul. Enfin, on a plus de base. Hein. On a pas besoin de base. On a besoin d'un lanceur orbital. On a rien pour... D'accord. Y'a pas moyen de faire genre d'orbital qui envoie des unités dans leur... dans leur slot. Hein. C'est le snipe, hein. Ah mais là on a plus de base. Hein. Je sais. Au final on est positif en écho, ouais. Ouais, forcément on n'a plus rien qui prenne. D'où la tentative de snipe. Ah je veux bien, mais... Ça va être compliqué quand même. Pourquoi elle prend pas cette facto? C'est que là. Il était où l'Arkham? Il me semble qu'il était dans la flotte par là. Putain, ça défense abusée, quoi. Putain. Ah non, c'est mort. Je crois pas que je survivrai à ça. Assez d'entière quoi. Enfin, on n'avait pas d'entière du tout. Ouais, c'est ça qui a manqué, putain. Parce que eux, ils avaient personne sur la lande, donc c'est pas normal qu'on soit pas passé. Ils avaient des quais, je veux plus savoir quoi en foutre. Ah, mais c'est des quais de jouer T1, mais putain. Mais... Oh. Tout ça me rappelle pourquoi est-ce que je ne joue pas à Légion. On prend une map de land normal.